m'appelle Alain Flageolet, je suis le vice-président du Rotary de Saint-Médard-en-Jalles. Nous organisons pour la deuxième année consécutive cette course de trottinette, Bordeaux Trottinette Trophy. Cette course a été initiée par Thomas Sibé, malheureusement aujourd'hui disparu des suites d'une longue maladie. Les fonds récoltés cette année seront reversés à l'association Parentraide Cancer, qui vient en aide aux familles en difficulté, non seulement par la maladie, mais en plus pour les déplacements, le séjour à Bordeaux quand les enfants sont hospitalisés. Aujourd'hui, nous avons réussi à avoir environ 40 partenaires financiers, ce qui nous permet de pouvoir dégager un budget qui sera reversé à Parentraide. Et plus de 230 petits trottineurs, des héros, étaient engagés hier soir. Je suis la présidente de l'association Parentraide Cancer. Nous sommes une association régionale dont l'objectif est de soutenir les familles dont l'enfant est atteint de cancer et de leucémie. Il faut savoir que dans tout le Sud-Ouest, chaque enfant qui déclare une maladie passe par l'hôpital de Bordeaux. Et donc à ce titre, tous les enfants, toutes les familles du Sud-Ouest sont amenées lorsqu'il y a déclaration de la maladie à un certain éclatement et rencontrent de nombreuses difficultés. Donc notre objectif est de soutenir les familles à la fois par une présence à l'hôpital le jeudi et le samedi matin, puisque nous sommes tous des bénévoles parents dont l'enfant a été malade et à ce titre, nous sommes une écoute un peu particulière pour les parents. Aujourd'hui, le Bordeaux Trottinette Trophy qui a lieu grâce à la mobilisation de nombreuses personnes. Alors je vais citer Thomas Sibé et sa famille pour qui j'ai une pensée particulière puisqu'il nous a quittés cet été et c'est quand même grâce à son idée et à la mobilisation qu'il a générée auprès du Rotary de Saint-Médard-en-Jalles que nous avons la chance de pouvoir bénéficier de cette manifestation.